crise post. Suivons ce commentaire de Sylvie Tour. Inoka se tait. Sinon, un matin, on va prendre le petit déjeuner à Samogol Fouta, ils vont voir. Ce petit déjeuner n'aura jamais lieu. Les autorités ivoiriennes ont décidé de le remettre à la justice internationale. L'ancien leader de la galaxie patriotique est soupçonné de crimes contre l'humanité, dont meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains commis pendant la crise post-électorale, durant laquelle Charles Blé Goudé a très souvent troqué sa casquette de général de la rue pour celle de général de l'armée. Je ne veux pas qu'on puisse distribuer des armes dans les quartiers. C'est pourquoi tous les jeunes de Côte d'Ivoire qui sont prêts dans l'âme, qui sont prêts dans le corps, qui sont prêts spirituellement, qui sont prêts mentalement, qui sont prêts physiquement, demain lundi, dès 7h, je vous demande de vous rendre à l'état-major de Côte d'Ivoire pour vous faire enrôler dans l'armée de Côte d'Ivoire. Des jeunes seront également enrôlés dans les quartiers avec une mission claire. Donc en même temps, en restant dans les quartiers, vous suivez les quartiers, mais en même temps vous vous inscrivez. Surveiller les quartiers, cette mission a donné lieu à des exactions et tueries de personnes ayant pour seul péché le port d'amulettes, des vêtements du Nord ou des noms à consonance nordique. En plus de cette frange de la population, l'ONU et son représentant spécial en Côte d'Ivoire de l'époque, la France et son président n'ont pas été épargnés. Tout ce que nous vivons ici comme malheur, il n'y a pas une autre puissance qui est à la base. C'est M. Sarkozy. Le danger qu'il y a en Côte d'Ivoire n'est autre que M. Tchoy. Il est dangereux pour la Côte d'Ivoire, il est dangereux pour la paix en Côte d'Ivoire, il est dangereux pour la paix dans la sous-région. Si tu es à Yopougon, tu es à Koumassi, tu es à Port-Boué, tu es à Makori, tu es à Djamé, tu es au plateau, partout où tu es, tu dois empêcher l'ONU de circuler. Le leader de l'ex-galaxie patriotique poursuivait un seul objectif, maintenir son mentor à la tête du pays. Si c'est vous qui avez élu Gbagbo Laurent, et que l'on veut faire croire qu'il est minoritaire, vous allez prouver que Gbagbo est majoritaire à Abidjan et je vous appelle à un soulèvement populaire à Abidjan. Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo, deux hommes, deux destins qui se croisent à nouveau, cette fois à La Haye, devant la Cour pénale internationale. Et suite à la décision de transférer Charles Blé Goudé à La Haye, la classe politique réagit pour le FPI, l'UDC et le COGEP. La décision ne favorise pas la cohésion nationale. Le RDR, lui, prend acte de cette décision. Et dans le cadre de la réconciliation, le président de la CDVR, Charles Konan Bani, reçoit ce matin une délégation de l'Union européenne. La Côte d'Ivoire, à travers la Commission nationale de la francophonie, a célébré sous le thème « Femmes, jeunesse et développement durable » la Journée internationale de la francophonie 2014. Le 20 mars de chaque année est l'occasion pour la communauté francophone du monde de partager les valeurs de solidarité, de démocratie, de paix, de fraternité dans une ambiance de convivialité. Et le gouvernement français a marqué la Journée internationale de la francophonie en lançant un ambitieux projet baptisé 100 000 professeurs pour l'Afrique afin de prévenir le recul du français. Il s'agira de former en France des tuteurs qui encadreront ensuite à leur tour des professeurs d'université et de développer des outils de formation à distance. Plainte en Afrique du Sud contre Jacob Zuma pour corruption. Le principal parti d'opposition sud-africain a porté plainte hier contre le président Jacob Zuma, l'accusant d'abus flagrants de fonds publics à la suite de travaux d'un montant de 16,7 millions d'euros, soit plus de 10 milliards de francs CFA réalisés dans sa résidence personnelle. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information, 13h. Merci de votre fidélité.